Et nous allons finir avec la dernière session par le professeur Thibaut Dhamy sur les traitements spécifiques de l'amylose, stabiliser, éteindre et retirer, la révolution est en marche. Merci Thibaut. Donc j'espère que vous voyez mon écran. Je tiens bien sûr à vous remercier d'être présent ce matin, un samedi matin de bonne heure, donc pour parler effectivement encore une fois des amyloses. Et effectivement, comme les précédents orateurs l'ont dit, il faut faire le diagnostic des amyloses et également préciser son typage, puisque les traitements qui vont en découler vont être totalement différents entre une amylose AL et une amylose ATTR, qui sont les amyloses les plus fréquentes au niveau cardiaque. Il en existe encore d'autres, comme la APOA1, la APOA4, pour lesquelles malheureusement on n'a pas de traitement. Mais en tout cas, voilà donc les différentes formes d'amylose. Et pour les trois les plus fréquentes, on a toute une panoplie de médicaments déjà disponibles et qui est en train d'augmenter avec les travaux de recherche. Et ces essais thérapeutiques sont en cours déjà dans les centres experts. Donc pour l'amylose AL, c'est le traitement est réalisé bien sûr dans des centres experts et prescrit par des hématologues qui connaissent très bien la maladie. C'est des traitements qui associent la chimiothérapie et l'immunothérapie. Le traitement est hebdomadaire pendant plusieurs mois, quasiment 9 mois à 1 an. Et va consister donc à une combinaison actuellement de chimiothérapie et d'immunothérapie. Alors cette immunothérapie, elle est dirigée contre les plasmocytes et la chimiothérapie également pour empêcher la production des chaînes légères kappa et lambda qui sont la source de cette amylose AL. Donc l'objectif de ce traitement, ça va être de retirer en fait le clone plasmocytaire ou de détruire le clone plasmocytaire qui produit ces dépôts. Pour l'instant, dans l'amylose AL, on n'est pas capable de retirer les dépôts d'amylose. Et donc, c'est très important que ces patients soient traités dans des centres experts, puisque le but du cardiologue expert, ça va être d'améliorer le statut cardiologique du patient pour lui permettre de recevoir cette chimiothérapie et cette immunothérapie, qui n'est pas sans conséquence lorsqu'il a une atteinte cardiaque sévère. Et c'est ce binôme cardiologue et hématologue qui va permettre d'avoir, bien sûr, les meilleures possibilités pour les patients. Et donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour l'amylose AL, mais ce traitement, c'est vraiment une urgence thérapeutique. Il ne faut pas traîner et il faut vraiment envoyer ces patients le plus rapidement possible au centre expert. Et globalement, comme Olivier l'a dit, et Patrick également, on prescrit donc au cabinet dès qu'on suspecte l'amylose les deux examens scintigraphie et gammapathie. Et que finalement, s'il y a une gammapathie, il faut envoyer tout de suite le patient au centre expert parce qu'il y a le problème de l'amylose AL et puis le problème de la biopsie. Et c'est dans les centres experts qu'il y a les anatomopathologistes qui savent analyser ces prélèvements et que les prélèvements sont faits également comme il se doit pour dépister l'amylose AL. Donc, vous voyez, le traitement de l'amylose AL a énormément évolué dans le temps, et maintenant, donc, on est dans une combinaison immunothérapie et chimiothérapie, avec donc le daratumumab et l'immunothérapie, la cyclophosphamide, le bortézomib et la dexaméthasone qu'on réserve aux patients avec des atteintes cardiaques plus sévères, puisque la dexaméthasone a une certaine toxicité cardiaque, d'où l'importance, bien sûr, d'adapter ce traitement en fonction de la sévérité cardiaque et du bilan qui est fait dans les centres experts pour bien définir les différents grades et sévérités d'amylose AL. Alors pour les amyloses ATTR, là on est sur quelque chose de complètement différent. Là, ce n'est pas un clone plasmocytaire qu'il faut le détruire. Là, ce qu'on vise, c'est diminuer la production d'amylose à transthyrétine et donc de diminuer principalement dans l'immédiat la production de transthyrétine. Alors cette transthyrétine, comme Patrick nous l'a expliqué, elle est produite par le foie. Elle va former un tétramère. Ce tétramère va se dissocier dans l'amylose à transthyrétine sauvage et dans l'amylose à transthyrétine héréditaire pour former des dimères ou des monomères qui vont former les fibrilles amyloïdes. Donc, le premier traitement qui a démontré son intérêt dans les amyloses à transthyrétine héréditaire, principalement à forme portugaise des sujets jeunes, donc avec des neuropathies, c'est la transplantation hépatique. Alors, c'est vrai que maintenant, cette transplantation se fait de moins en moins parce que d'autres traitements sont arrivés
progressivement. Le premier, ça a été le tafamidis, stabilisateur du tétramère de transthyrétine, qui est un véritable petit gonne-porte qui se met dans le tétramère pour le laisser dans sa forme stable et éviter donc la formation des dimères et des monomères et des fibres amyloïdes. Donc ce tafamidis, ça a été le premier médicament donc, qui a été utilisé dans les amyloses héréditaires neurologiques, c'est en 2010. Et nous, bah, les cardiologues, on l'a depuis 2018. Et puis donc, il y a d'autres médicaments qui sont arrivés depuis, c'est notamment tout ce qui va être la recombinaison génétique ou l'édition génétique, c'est les siRNA, donc ceux qui vont éteindre globalement la production d'ARN messager, des oligonucléotides, mais ils ont la même fonction. Donc d'éteindre l'ARN messager, c'est les patisirans, les inotersen, les plontersen, le vutrisiran. Et puis on a maintenant également des formes encore plus importantes qui sont CRISPR-Cas9 dont on va parler. Donc voyez un petit peu tout ça, mais on avance énormément dans la prise en charge de ces patients. Et maintenant donc on peut les décomposer globalement en trois grandes classes, ce qui va aboutir à éteindre le gène TTR. Donc on a les siRNA ou les oligonucléotides ou le CRISPR-Cas9. Les TTR stabiliseurs, donc les stabilisateurs en fait du tétramère, donc c'est le tafamidis et puis à nouveau le caronidis. Et puis maintenant, on arrive au niveau de la recherche également à des nouveaux mécanismes d'action qui sont la réactivation du système en injectant des anticorps spécifiques de la forme fibrillaire de la protéine, là dans ce contexte bien sûr la transthyrétine, où on va réactiver le système immunitaire pour retirer les dépôts d'amylose et on a deux anticorps actuellement qui sont testés ou qui vont être testés dans des phases 3. Et ça, c'est également donc très promoteur, bien sûr, enfin, très intéressant et prometteur, pardon, pour les patients qui ont une amylose, puisque là, on pourra carrément retirer les dépôts d'amylose. Alors, le premier médicament qu'a l'AMM dans la forme cardiaque des amyloses à transthyrétine, c'est le tafamidis, et c'est en France une AMM pour de prescription initiale par les cardiologues experts de l'amylose, puis un renouvellement une fois par an par généraliste, mais il faut qu'un cardiologue ait prescrit au moins le médicament une fois par an. Et donc, on voit dans les guidelines de l'ESC que ce médicament est apparu. Pour les guidelines de l'ESC, on est en classe 1B, en niveau de preuve 1B, mais il y a une NYHA 1-2 qui est recommandée. Mais en France, on a la possibilité de prescrire quelle que soit la NYHA. Alors, vous le savez, tout ça vient de l'essai ATTRACT, qui s'est déroulé en 2014 avec la publication en 2018, qui démontre une diminution de la mortalité de 30% des patients qui ont une amylose cardiaque à transthyrétine, qu'elle soit sauvage ou héréditaire, avec un effet sur la mortalité qui va apparaître dans le temps par rapport à l'évolution naturelle de la maladie. Malheureusement, encore bien sûr, des patients décèdent hein, sous tafamidis, c'est une évidence. Mais on arrive à stopper la progression ou à ralentir la progression de la maladie. Et ça, c'est vraiment très important à souligner. On a maintenant une analyse de longue extension. Donc, on a l'étude ATTRACT s'est poursuivi et on a dans l'étude ATTRACT une phase donc en ouvert où tous les patients survivants bien sûr à la phase randomisée de tafamidis placebo ont pu recevoir un traitement et notamment le tafamidis. Alors quand on voit bien sûr la courbe de survie des patients placebo, on peut extrapoler sans traitement ce qui se passe. Donc à la fin, il reste plus beaucoup de patients et on voit que bah, quand on a mis le vrai tafamidis, on arrive, même chez les patients sévères, à inverser la courbe de mortalité par rapport à cette extrapolation. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on ne rattrape pas, bien sûr, la survie des patients qui ont été traités dès le début. Et donc, on voit et on comprend bien que plus on met le traitement tôt, mieux c'est. Et ça, c'est vraiment, très important. Alors, l'effet sur la survie, on l'a vu, il apparaît au bout de 12, 15, 18 mois. Mais ce qui est important de comprendre et de voir, c'est que la différence en termes de capacité à l'effort évaluée par le test de marche de 6 minutes ou l'impact sur la qualité de vie, elle apparaît quasiment immédiatement puisque vous voyez, dès 3 mois, on voit une différence entre les patients traités sous tafamidis et les patients sous placebo. Donc ces traitements vont être efficaces d'emblée. On voit bien sûr qu'ils vont probablement ne pas être actifs que sur l'atteinte cardiaque, hein,
mais également sur l'ensemble des atteintes qui vont continuer de progresser chez les patients sous placebo et se stabiliser ou ralentir au niveau de la progression chez les patients traités par tafamidis. Ce qui veut dire en fait qu'on n'est pas dans une optique d'amélioration de la cardiopathie, d'amélioration des symptômes, d'amélioration du test de marche, on est juste dans l'immédiat de stopper cette maladie. Et comme tous les experts de l'amylose et ceux qui surveillent ces patients depuis bien longtemps, on a eu toute une phase de 2010 à 2018 où on n'avait pas accès au traitement et on a vu les conséquences de cette maladie qui évolue très rapidement sous forme donc de décompensation cardiaque. Ce sont ce qu'on appelle les frequent flyers et puis le décès avec une altération de la qualité de vie très importante. Et depuis qu'on a le tafamidis, on voit que ces patients sont gelés dans leurs états. Alors, je m'adresse vraiment à tous les cardiologues, ceux notamment qui s'occupent de l'insuffisance cardiaque. On voit bien effectivement que nos médicaments classiques de l'insuffisance cardiaque améliorent les patients. Là, ce n'est pas le cas. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on ne va pas avoir une amélioration très nette des patients qu'il ne faut pas mettre ce traitement. Je tiens vraiment à le dire, c'est important parce que quand on connaît l'histoire naturelle de cette maladie, on voit sa gravité et son évolutivité rapide. Eh bien, le tafamidis va être capable de les stabiliser. Et donc, ça incite aussi à dire qu'il faut les diagnostiquer le plus précocement, comme nous l'ont expliqué Patrick et Olivier, et que ce diagnostic précoce est très important pour pouvoir, bien sûr, stopper la maladie dans sa phase initiale. Alors, ce qu'il en est, on a dans les CATRAC, il y a différentes doses qui ont été testées. Donc là, maintenant, en France et dans le monde, la dose indiquée, c'est 61 mg, et on sait que le 61 mg fait mieux que 20 mg. Donc, si vous avez des patients qui sont encore traités au 20 mg ou qui ont un 20 mg sur une indication neurologique et qui développent une forme cardiaque, il faut leur faire bénéficier du 61 mg. Là, je vous montre quelques données sur les biomarqueurs cardiaques réalisés à Créteil par Sylvia Odina, que je salue. Là, vous voyez la cohorte cristolienne avant le tafamidis, puis après le tafamidis. Ici, ce sont les patients qui ont moins de 3000 de NT-proBNP, donc au moment du diagnostic. Et ici, ce sont les patients qui ont plus de 3000 de NT-proBNP, donc c'est une cohorte de vraie vie, hein, c'est pas randomisé du tout. Et donc, c'est l'histoire naturelle de la population. Et vous voyez, à 18 mois, le nombre de patients décédés dans une cohorte de vraie vie avant l'apparition du tafamidis, c'est 49% des patients qui sont décédés à 18 mois sans traitement. Et vous voyez qu'au bout de 18 mois, il ne reste plus beaucoup de patients à moins de 3000 de NT-proBNP. Donc, vous voyez une évolutivité très rapide. Depuis qu'on a le tafamidis, donc, il y a un overlap, bien sûr, des cohortes, mais depuis qu'on a le tafamidis, on a amélioré le diagnostic. Il y a un peu moins de patients qui ont plus de 3000 de NT-proBNP, un peu plus qui ont 3000. Mais vous voyez donc l'impact du tafamidis, ça va être un ralentissement très net de la dégradation et de l'aggravation de la pathologie avec beaucoup plus de patients qui restent en dessous de 3000 de NT-proBNP et le nombre de patients décédés qui diminue nettement à 17% à 18 mois. Donc ça reste une maladie qui est grave bien sûr, mais vous voyez à quel point le tafamidis est essentiel comme premier traitement pour stabiliser la maladie. Et l'on voit ici aussi la même chose sur la troponine. Alors ces données sur le BNP se retrouvent dans des petites cohortes où des premières données préliminaires arrivent sur des marqueurs comme l'échocardiographie où on voit ici dans une cohorte de Boston que le tafamidis est capable de stabiliser aussi la dégradation du strain. Ici sur la scintigraphie, deux études, celle de René Hervétel et celle de Shirley Audouard et d'Arnaud Galla, nous démontre aussi que le tafamidis peut avoir un effet bénéfique sur la fixation myocardique et la diminuer à un an. Donc ça, c'est intéressant. On ne sait pas encore vraiment quel est le mécanisme physiopathologique dessous, mais on sait en tout cas que le tafamidis, comme d'autres médicaments, on va le revoir après, sont capables d'inverser la fixation d'un scinti et donc de probablement diminuer les dépôts d'amylose myocardique. Alors, il existe de nouveaux stabilisateurs. C'est Julien Guilmore à l'ESC qui nous a montré les résultats de l'étude Attribute qui s'est intéressée à l'acoramidis, à l'effet de l'acoramidis versus placebo. C'est un médicament qui se donne en deux doses à 800 mg et l'essai s'est comporté donc à durée 30 mois avec un critère combiné qui associe pas mal de choses puisque ça associe la mortalité toute cause, les réhospitalisations sous forme cumulée, le NT-proBNP, une évolution par rapport à la baseline, donc juste une augmentation de quelques points. Et pareil pour le test de marche,
une dégradation de quelques points. Et donc cet essai randomisé, il a été significatif sur son critère primaire, encore une fois, combiné, qui associe pas mal de choses, hein, juste une variation d'NT-proBNP et test de marche. On voit globalement que dans tous les cas, il est extrêmement positif, ce médicament, sauf malheureusement dans la mortalité. Et là, ce qui s'est passé, c'est probablement que le nombre de patients et la sévérité des patients inclus n'a pas permis de conclure parce que on a avancé, nous, les cardiologues, dans le diagnostic et que les patients sont diagnostiqués donc à un état moins sévère. Mais c'est un médicament donc qui est intéressant et qui va peut-être vers un effet classe de ces nouveaux stabilisateurs. Mais en tout cas, il n'y a pas d'effet pour l'instant sur la mortalité, mais une nette diminution des réhospitalisations. Alors là, on a parlé des stabilisateurs. Mais il existe aussi d'autres médicaments qui arrivent, et donc ce sont ces siRNA. Donc les siRNA, il en existe plusieurs formes avec plusieurs laboratoires. Donc le laboratoire Alnylam avance deux molécules, le patisiran et le vutrisiran. Donc le patisiran est extrêmement utilisé maintenant par les experts des centres de référence neurologiques, hein, pour même améliorer la neuropathie, c'est ce qu'ils ont décrit. Et donc, ça a été testé chez les patients qui ont une amylose TTR sauvage ou héréditaire dans les cardiomyopathies. Et je vais vous montrer les résultats de l'étude Apollo-B. Et ça a été également testé. Donc là, c'est un médicament qui s'injecte par voie intraveineuse toutes les 3 semaines avec une perfusion de moins de 2 heures. Et donc, il y a une nouvelle molécule qui a été faite, le vutrisiran, qui maintenant est prescrit par nos collègues neurologues. Là, est une injection sous-cutanée qui peut se faire, bien sûr, aussi à domicile. Tous les 3 mois, c'est-à-dire 4 injections par an. On a une autre molécule qui arrive, qui est l'eplontersen, un autre laboratoire, maintenant c'est AstraZeneca qui a repris cette molécule, où il y a eu l'essai cardio-TTR transforme qui est en cours. Alors pour le vutrisiran et l'eplontersen, c'est 2 essais, l'un arrive à l'été 2004, donc j'espère qu'on aura la présentation à l'ESC, et pour l'eplontersen, ça sera 2005, et puis vous avez bien sûr l'immunothérapie dont on discutera. Donc l'Apollo-B, rapidement, c'était un essai randomisé, double aveugle, patisiran versus placebo, avec un certain nombre de patients, donc avec amylose à transthyrétine sauvage ou héréditaire. Et on a regardé à 12 mois l'évolution de différents critères, comme le test de marche de 6 minutes, il y a une différence significative. Il y a également le Kansas City qui est significatif. Vous voyez l'altération, encore une fois, de ce qui se passe chez les patients placebo. Il y a également un ralentissement de l'augmentation du NT-proBNP comme de la troponine. L'essai n'était pas construit pour démontrer des effets immédiats dans la forme randomisée sur la mortalité et les hospitalisations, mais il y a des signaux très intéressants qui apparaissent sur le long-term extension, et donc on espère qu'on aura accès à ce médicament rapidement. L'étude Helios-B, donc c'est celle qui s'est intéressée donc à cette nouvelle molécule, le vutrisiran, et dont je vous disais que nous aurons les résultats pour l'ESC 2024, on l'espère. Donc vous voyez une étude randomisée avec encore plus de patients, on monte à 655 patients. Et on a également donc l'étude cardio-TTR transforme qui va dépasser les 1000 patients, donc là c'est pour 2025. Autre résultat très intéressant sur la recombinaison carrément génétique, hein, vraiment l'amylose, hein, c'est un champ physiopathologique incroyable pour le développement traitement dans la cardiologie, puisque c'est les cardiologues qui vont être amenés à prescrire ces molécules. Donc là, il s'agit des fameux ciseaux à ADN, où on va découper l'ADN pour remplacer l'ADN, donc la partie génétique du gène qui produit la transthyrétine par un gène en fait qui ne produit plus de transthyrétine. Et vous voyez que le CRISPR-Cas9 est capable de stopper complètement la production du gène de la transthyrétine juste après une injection. Et il y a donc on a quelques cas qui sont publiés et l'essai de phase 3 va bientôt débuter. Et donc là, avec une injection, on pourrait interrompre la production du gène de la transthyrétine. Alors après, il faut bien sûr parler des dépléteurs, hein, des anticorps qui arrivent. Donc, il y a plusieurs anticorps. J'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer tout ça. Mais vous voyez, c'est un essai de phase 1-2, finalement, qui a été publié. Et là, on a pu tester, donc, les effets dose des dépléteurs. Donc, c'est un anticorps spécifique de la forme fibrillaire de la transthyrétine qui va aller se mettre dans les tissus. Et le système macrophagique va venir nettoyer l'anticorps et les dépôts d'amylose. Et là, c'est vraiment stupéfiant puisque vous pouvez voir sur ce patient. Donc, ça s'est retrouvé en fonction de la dose, en fonction de la durée d'injection, la sas scintigraphie.
entre les baselines, donc la taille initiale avant traitement, et à 4 mois. Et vous voyez qu'on arrive complètement à retirer les dépôts d'amylose et on retrouve des doses réponses en fonction du NT-proBNP, etc., etc. Alors évidemment, ces traitements spécifiques sont capitales. Je voudrais juste dire quelques mots sur les traitements cardiologiques, hein. C'est primordial, bien sûr, de mettre en route ces traitements, mais de gérer ces patients aussi du point de vue cardiologique, parce qu'ils ont une prise en charge particulière. Ce n'est pas le but de Stoppo, mais on sait qu'ils font plus d'AVC, donc il va falloir les anticoaguler. On sait qu'ils font plus de troubles de la conduction, bien sûr, du rythme, donc il va falloir discuter les pacemakers. On sait que ces patients sont sensibles à la fréquence cardiaque, puisqu'ils deviennent, quand ils s'aggravent, le débit dépend principalement de la fréquence cardiaque, puisque le stroke volume, le volume d'éjection systolique, en fait, diminue du fait de la restriction. Et donc, il va falloir vraiment que les cardiologues donc s'emparent, bien sûr, de ce sujet. Et c'est ce que vous faites au cabinet pour vérifier à chaque consultation lorsqu'on a une amylose, est-ce qu'il faut l'anticoaguler, est-ce qu'il faut lui mettre une device, un pacemaker ou autre, et est-ce qu'il comment adapter le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et puis, il va falloir qu'on monitore ces patients parce que une fois qu'on aura mis le traitement, actuellement on dispose que d'un traitement qui a l'AMM, c'est le tafamidis, mais on va voir qu'on va arriver à de multiples traitements. Il va falloir qu'on sache est-ce que le patient a répondu, pas répondu, est-ce qu'on le switch, est-ce qu'on associe un autre traitement. Et ça, il faut vraiment commencer un monitoring avec à la fois les signes cliniques qu'il faut monitorer, les biomarqueurs cardiaques qui vont suivre, comme dans l'amylose AL, on suit les TTR sur le NT-proBNP, la troponine, et évidemment, comme Olivier nous l'a dit, l'importance des marqueurs imagiques pour également étudier la réponse. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et donc, on a bien compris que les traitements étaient en pleine évolution. Et donc, je remercie toute l'équipe. Je vous invite à aller voir sur le réseau Amylose toutes les informations des experts de l'amylose qui sont présentes, le parcours de soins et également le PNDS écrit avec la filière cardiogène, Philippe Charron, Olivier Lérèze et Vincent Galarondo sur ces amyloses, où il y a beaucoup d'informations qu'on va bien sûr updater et des critiques, bien sûr, du réseau amylose pour vous aider au quotidien avec les patients. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Thibault, très riche présentation et effectivement beaucoup de choses qui bougent, on va y revenir. Alors chronologiquement, on va probablement commencer, si vous êtes d'accord, par revenir sur l'intervention de Benoît Funalo sur le test génétique. Donc Benoît, dans les questions sur le chat, donc c'est une des questions, c'est qui va prescrire, qui va pouvoir prescrire en reprenant un petit peu ce que tu as déjà dit, mais peut-être en revenant dessus, dans ce qui va venir, et qu'est-ce qui est souhaitable en fait. Moi, je prolongerai un peu cette discussion parce que, évidemment, la crainte que l'on peut avoir si le test génétique est plus largement prescrit, c'est que ça peut perturber le parcours de soins optimal du patient. Les cardiologues de ville vont avoir probablement un temps limité aussi, et on sait que les consultations génétiques prennent beaucoup de temps. On revient sur l'histoire familiale, sur plein de choses. Donc, comment tu vois les choses sur ce qui va arriver dans l'élargissement de la prescription du test génétique en général en cardiologie? D'accord. Vous m'entendez? Oui. Parce que j'ai dû changer d'ordinateur. Donc, Très bien. alors, en fait, je pense que pour répondre d'abord de façon plus générale, je pense qu'il faut que chacun se pose la question, qu'est-ce que je suis en mesure de faire? Qu'est-ce que je connais? Jusqu'à quel point est-ce que je suis un expert de cette pathologie? Est-ce que je suis en capacité de faire ce qui a lieu de faire pour effectuer une analyse génétique telle qu'elle doit être effectuée. En réalité, il y a plusieurs éléments de réponse. Certaines personnes vont être en capacité de le faire, mais en prenant le temps, en effet, et en étant formées, en étant devenues, je dirais, d'une certaine façon, des experts de première ligne d'une pathologie. Mais comme toujours, on ne peut pas être expert de tout. Donc, effectivement, il faudra cibler les pathologies sur lesquelles on souhaite se spécialiser. Deuxièmement, pour les pathologies, prenons le cas des cardiomyopathies présumées d'origine héréditaire, que ce soit une amylose ou pas, là, je pense qu'il y a l'expert de deuxième ligne hospitalier à qui le cardiologue
peut envoyer son patient pour faire réaliser le test génétique. Mais je pense que vraiment, dans une époque où maintenant la génétique devient de plus en plus prégnante, il va être important pour chaque praticien spécialiste, cardiologue, neurologue, rhumatologue, qu'il identifie dans son environnement l'équipe de génétique avec laquelle il interagit. Et cette équipe de génétique, elle va être constituée de quelques généticiens cliniciens, parce que nous ne sommes pas si nombreux que ça en France, et aussi de conseillers en génétique qui vont être les intervenants de première ligne pour ça. Alors, c'est mon avis. Tu peux éventuellement donner le tien, puisque tu as une pratique dans le même domaine. Oui, je vais dans ton sens, c'est-à-dire que... Pour moi, le test génétique s'inscrit dans une démarche étiologique générale dans le cadre d'une cardiopathie notamment et doit prendre en compte l'ensemble des éléments utiles pour le bilan étiologique. Le test génétique a des spécificités comme tu l'as bien rappelé et il faut effectivement que le prescripteur ait la capacité de savoir quoi prescrire, auprès de quel labo, ensuite quand il reçoit le résultat, de savoir comment bien l'interpréter et bien restituer au patient et pour la famille la suite des choses. Donc c'est vrai que ça nécessite une expertise. On a des outils comme par exemple le DU des maladies cardiaques héréditaires au sein de la filière cardiogène pour aider à cette formation. Et puis je partage le sentiment qui est que je pense que pour la bonne qualité du parcours de soins, les équipes expertes déjà identifiées, labellisées, dans le cadre de la filière cardiogène, du réseau amylose pour l'amylose plus particulièrement, sont vraiment cruciales. Et je rappelle que les coordonnées des équipes de génétique et de cardiologie, des centres de compétences de toute cette filière nationale, ce réseau national, figure sur les sites de la filière cardiogène et du réseau amylose pour l'amylose. Vous trouverez pour vous aider ces équipes expertes effectivement. Donc moi je pense effectivement que il va falloir être très attentif à ne pas détruire tout ce parcours de soins optimal qu'on a construit les uns et les autres pour essayer de donner une médecine de qualité. Oui, alors si j'ai juste rajouté une chose parce qu'on n'en a pas du tout parlé jusqu'à présent, le jour où les analyses seront à la nomenclature, il est évident que des laboratoires privés vont les proposer et donc comme il y a un intérêt financier à réaliser ce type d'analyse, les prescripteurs vont probablement être sollicités, on va leur proposer la réalisation de ces tests. Il importe vraiment de garder en mémoire que les obligations légales, elles seront toujours les mêmes qu'aujourd'hui, que la responsabilité sera toujours la même et que même s'il est facile de prescrire une prise de sang à un patient, la prescription d'un test génétique, ça va bien au-delà de la prescription d'une prise de sang. Voilà. Oui, j'en ai pas parlé, mais effectivement, c'est un autre versant, mais qui participe aussi aux interrogations qu'on a, c'est que l'interprétation et la réalisation va être ouverte, comme tu le dis, au laboratoire privé, et avec des avantages, des inconvénients, comme toujours, hein, mais avec le risque aussi d'une interprétation de moins bonne qualité que celle des laboratoires académiques. Et on le voit déjà sur des exemples auxquels on est confronté. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, mais qui est connexe, effectivement. Antoine. Ouais, j'ai une petite question parce que là, on parle des cardiologues de ville et on sait que les délais de prise en charge en génétique dans les centres de compétences et de référence qui sont donc sur les sites cardiogènes et réseaux amylose, donc qui sont dans toutes les régions, hein, dans toutes les régions, il y a un centre de référence, les délais sont quand même relativement longs, peuvent être assez longs. Moi, c'est un an pour un prélèvement dans ma région, par exemple. Est-ce qu'il y a une urgence pour un cardiologue? Est-ce que ce délai est un problème ou est-ce que finalement, dans le cadre de la génétique, ce n'est pas un souci d'attendre un an pour se faire prélever? Alors, ça peut toujours être un souci parce qu'il y a quand même l'état du patient et donc ce qui est un an, ça peut être long pour un patient qui a une maladie évoluée. Mais je suis tout à fait d'accord sur, et c'est ce que je dis toujours, sur la prise en charge thérapeutique du patient se fait indépendamment de la prise en charge génétique et elle n'a pas forcément le même timing et alors, j'espère que dans le cadre d'une prise en charge
très bien, enfin, standardisé, protocolisé. On pourra améliorer ces délais de prise en charge, notamment avec la montée en charge des conseillers en génétique qui devraient être plus nombreux dans les années à venir, et donc qui permettront de prendre en charge des patients dont la maladie est bien caractérisée pour une indication particulière. Donc, on peut espérer que les délais vont diminuer, mais en effet, il faut pas, on n'est pas dans le même timing. Il y a le timing du diagnostic et du traitement et le timing de l'exploration génétique du patient et de sa famille. Ika voulait intervenir. Oui, un petit mot, oui. Juste pour dire quand même, malgré tout, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est pas tant le délai, c'est la courbe d'évolution des délais. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un délai qui s'accroît d'année en année, et les rendez-vous génétiques dans les centres de compétences deviennent ne sont même plus délivrés, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, je pense malgré tout, il faudra quand même se poser cette question-là, oui. Et plutôt arriver à faire des cahiers de charges exportés auprès des gens qui se lancent dans la génétique pour pouvoir être des substituts utiles et non pas quelque chose qui sera bloquant. Tout à fait. Alors la situation marseillaise est problématique en plus. Hein. Actuellement, la génétique marseillaise a eu des problèmes particulièrement difficiles, sachant que la génétique, comme toute spécialité, elle se trouve en difficulté actuellement, comme les dermatologues, comme les ophtalmologues. Enfin, je veux dire, le désert médical peut exister dans plein de régions parce que il n'y a pas suffisamment de ressources pour ça. Ça, c'est vrai. Donc, les solutions pour ça, c'est augmenter la ressource, déjà, c'est-à-dire faire qu'il y ait davantage de personnes qui soient formées en génétique, soit qui se spécialisent, qui se réorientent vers la génétique. Deuxièmement, les conseillers en génétique. Et troisièmement, pour ce qui concerne avant tout la prise en charge des patients avec une symptomatologie cardiologique, la formation des spécialistes experts dans des structures bien identifiées qui pourront effectuer une partie de la prise en charge génétique. Parce que, encore une fois, pour qu'une prise en charge génétique se fasse bien, et je parle d'expérience, en fait, il faut qu'on ait une bonne interaction. C'est-à-dire que nous, si tout se passe très bien à Mondor, que ce soit pour les patients ou pour le diagnostic présymptomatique, c'est parce qu'on interagit beaucoup avec les cardiologues. Et nos cardiologues sont devenus un peu généticien, faut être très clair, hein. Thibaut, Dami et Sylvia Oguina, ils ont de très très bonnes bases en génétique. Et je dirais que du côté génétique, on n'en est pas devenu cardiologue, mais enfin on a acquis des bases sérieuses aussi. Voilà. Je pense que l'interaction, c'est fondamental. Donc c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'identification du généticien partenaire. Je pense que c'est très important de favoriser ces interactions. C'est très important et c'est effectivement ce qu'on essaie de faire dans la formation. Il faut un bon binôme cardiologue, généticien, clinicien dans les centres et c'est ce qu'on essaie de favoriser, notamment dans le DU. On va passer, je pense, à l'intervention de Thibaut. Je vais laisser Antoine un peu mener la discussion. Oui, donc pour les nouveaux traitements et les traitements spécifiques du coup de l'amylose, pour rappel, le tafamidis est prescrit seulement par des cardiologues hospitaliers. Il ne peut pas être prescrit en ville pour l'instant. Thibaut, il y a des questions sur du coup, les nouveaux médicaments comme les siRNA, le patisiran, le vutrisiran. Est-ce que c'est quelque chose qui va être disponible pour nos patients? Est-ce que ça a avancé là-dessus? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Alors, pour le patisiran, effectivement, on avance... On ne sait pas encore si on pourra le prescrire, mais ça avance probablement. C'est difficile de le dire maintenant dans l'état des choses. Mais toujours est-il que de toute façon, on pourra l'administrer probablement que chez les patients qui n'ont pas répondu suffisamment au tafamidis, mais faut-il encore définir cette réponse au tafamidis. Voilà. Mais on est en train de travailler avec notamment Olivier et d'autres collègues sur l'obtention du patisiran en France. Oui, il y a une démarche en cours pour un accès précoce qui devrait voir un aboutissement favorable à court terme.
Parce que là, aujourd'hui, il est disponible seulement pour les patients atteints d'une amylose cardiaque héréditaire avec une forme neurologique qui évolue sous tafamidis. Hein. C'est ça l'indication aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais. Pour l'instant, c'est que les formes donc, héréditaires neurologiques prescrites en fait, par les neurologues. Donc, les cardiologues, on n'a pas le droit de le prescrire. Hein. Enfin, c'est pas dans l'AMM. Et c'est pour ralentir, voire améliorer l'atteinte neurologique des formes héréditaires. Et donc là, il s'agirait d'une extension pour les patients qui ont une amylose à transthyrétine sauvage et héréditaire à forme cardiaque. Donc, évidemment, là, ça impliquerait bien sûr la prescription par le cardiologue. Et donc, tout est en cours, on va dire, sans certitude. Tu nous as parlé de l'immunothérapie. Tu as pu faire partie des rares médecins à pouvoir administrer ce traitement à tes patients à Mondor. Les données sont encore très préliminaires, mais est-ce que comment au niveau clinique, toi, tu as pu, je sais pas ce que tu peux révéler de ces éléments, mais comment tu as pu apprécier cette nouvelle thérapie pour ces patients et qu'est-ce que tu penses de son comment on va pouvoir à terme l'introduire dans notre thérapeutique? Est-ce que ça sera du combiné, du successif? Comment tu vois l'avenir pour cette nouvelle classe? Alors, on était plusieurs centres français, hein. On a réussi à mettre 3 centres français, donc je pense que c'était la France qui était la plus représentée dans ce protocole. Donc il y avait l'équipe toulousaine avec Olivier et puis l'équipe de Rennes d'Erwan Donal. Et donc je pense qu'on peut partager nos expériences, mais pour les patients que j'ai vus et qui avaient été traités, c'est purement stupéfiant, effectivement, parce qu'on a retrouvé bien sûr ces images de scintigraphie où on voit les dépôts, donc enfin du moins l'application qui diminue. Alors est-ce que c'est les dépôts? Probablement, hein, bien sûr. Hein. Et les images d'échographie qui s'améliorent également avec une amélioration du strain, et les biomarqueurs aussi. Et pour ces patients qu'on continue de voir et de suivre, l'effet, ça a l'air de se prolonger. Donc je pense que c'est un énorme espoir parce que on a beaucoup amélioré quand même le diagnostic des patients. Mais malheureusement, souvent, pour qu'ils arrivent au cardiologue, il faut qu'ils soient symptomatiques et qu'ils aient déjà un certain niveau d'infiltration amyloïde. Et donc, on arrive finalement toujours un petit peu trop tard sur la quantité en fait et l'importance de dépôt. Donc, je pense qu'effectivement, on va aboutir à terme si ce médicament qui va bientôt être testé en phase 3, mais il y a déjà un autre anticorps aussi qui est en phase 3 d'une autre compagnie. Si ce bénéfice se confirme en termes de morbidité-mortalité sans effet secondaire majeur, hein, ce qu'on n'a pas vu dans cet essai, et ben c'est clair qu'on, pour beaucoup de patients, on mettra en première indication, notamment dans les formes évoluées déjà au moment du diagnostic, et on combinera ce traitement, je pense, très rapidement avec un stabilisateur et puis un siRNA ou un anti-oligonucléotide. Voire peut-être même avec une injection de CRISPR-Cas9, mais là, on est encore dans le domaine si on peut se le payer. Voilà. Donc là, l'avenir, ça va être aussi, je pense, il faut quand même le réaliser, ça va être aussi une adéquation entre le bénéfice et les coûts de santé, parce que là, on n'est pas dans l'amylose TTR neurologique, où finalement les cohortes sont assez importantes, mais beaucoup plus faibles, hein, au niveau cardiaque, où on arrive à maintenant 10 fois 100 en nombre de patients. Et le coût, évidemment, pour la prise en charge des patients, pour le système de soins, va être colossal. Donc, en France, je crois qu'il faut le souligner, on a accès à ces médicaments et c'est complètement incroyable parce que c'est pas le cas dans le monde entier. Et là encore, c'est bien pour ça que la France est je pense, une chance, hein, pour nos patients, bien sûr, en premier, une chance pour nous, les centres experts, de bénéficier de ces thérapeutiques et pas voir les patients se dégrader. Et puis une chance, bien sûr, pour l'industrie pharmaceutique de que les médecins puissent prescrire ce médicament. Il est midi, donc je vais te poser une dernière question très rapide. On a vu la complexité quand même du diagnostic, la complexité possible. Et puis maintenant, les médicaments qui vont être surtout dans les centres experts, comme le NI006 ou le patisiran, en tout cas dans un premier temps. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tous les patients amylose, quelle que soit leur forme et leur âge, doivent être vus par un centre expert au moins une fois? Alors, moi, je pense que oui, parce que il y a toujours des problèmes d'accès au test génétique, il y a toujours des problèmes de prescription de chaîne légère. On dispose maintenant d'un réseau de soins où il y a 35 centres, donc qui couvrent toute la France.
Et je pense que ce primo-diagnostic initial doit être validé par un centre expert. Malheureusement, je pense que comme toi, comme Olivier, comme Philippe, comme Patrick, on voit des patients en fait qui ont été diagnostiqués un peu vite. La scintigraphie osseuse fait vraiment partie maintenant de la panoplie du cardiologue. C'est un peu plus compliqué pour la gammapathie. Et quand il y a gammapathie, pour la réalisation de la biopsie, c'est vraiment pas encore assez répandu. Les anapathes n'ont pas toutes les compétences, tous les anapathes n'ont pas tous les anticorps et la panoplie, hein, pour faire le diagnostic. Et ça induit, pour certains patients, heureusement peu nombreux, mais des erreurs diagnostiques et la mise en place de mauvais traitements, aussi bien du point de vue cardiologique, où des ATTR, des AL vont recevoir du tafamidis, que, bien sûr, du point de vue hématologique, où, enfin, vice versa, quoi. Des patients sont mal diagnostiqués. Merci beaucoup. On en vient à la conclusion de cette session très riche, encore une fois. On voit que l'actualité des connaissances qui progressent beaucoup sur la thérapeutique, là, vraiment, ça explose aussi. Donc, je voudrais remercier tous les orateurs, Antoine, mon co-modérateur, le soutien des laboratoires. Et donc, vraiment, on peut aussi rappeler que les centres experts de la filière cardiogène du réseau Amilo sont là pour vous aider. Et je partage complètement l'avis d'un avis auprès de ces centres experts lors du diagnostic qui est vraiment, vraiment tout à fait utile. Et puis, donc, je vous propose sûrement dans un an, il y aura probablement, puisque maintenant c'est devenu un rendez-vous presque incontournable, donc probablement qu'on pourra vous donner rendez-vous dans un an. Et juste avant de quitter l'antenne, je voudrais peut-être ajouter un mot un petit peu plus personnel. Nous avons appris le décès brutal de notre collègue Jean-Philippe Collet hier soir. Et donc, on a une pensée très émue. Et je voudrais rendre hommage à Jean-Philippe Collet, qui a été un grand cardiologue et qui malheureusement vient de nous quitter. Bonne journée malgré tout à tous et bon week-end à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Et bravo. Au revoir. Merci, au revoir.